Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la pêche du silure en hiver, en stalking. Je sais que vous attendiez ce genre de vidéo. Donc ça va être l'occasion de voir si nos chers moustachus vont répondre à l'invitation, si je peux dire ainsi. Donc bah écoutez, je vais prendre ma petite canne stalking, je vais commencer ma traque hivernale. Et puis bah écoutez, j'espère croiser ces beaux poissons. Ça ferait plaisir. Allez, c'est parti, les amis. Et boum, un joli silure. Voilà les amis, un silure. Ça fait plaisir. Un joli poisson. Allez, je vais en appelant. Allez, remise à l'eau de ce beau poisson. Donner bien du plaisir au combat encore. Allez pépère. Pour les jolis, mais. Allez moi ça, l'épaisseur. Allez. Hop. Il est reparti. Bon les amis, voilà, silure d'environ 1,20 m. Allez, il repart le pépère. Allez mon gros, mon petit gros, va grandir. Allez, oula, il y a du... Et voilà, il est reparti. Bon, joli poisson, pas énorme. Il doit faire environ 1 mètre. Allez les amis, voici le silure. Un petit poisson d'environ 110. Voilà, il m'a fait une belle touche. Un beau départ. Voilà, c'est pas un gros poisson. Et voilà, ça fait plaisir quand même. Avec des couleurs magnifiques là, encore.
Il fait bien plaisir à ce poisson là, pris en stalking. Voilà. Bon, c'est pas le gros espéré, mais bon, il va peut-être se manifester encore. Hop là, là, ça glisse. Allez, tire au petit père. Regardez comme il est magnifique. Vraiment des belles couleurs ce poisson là. Allez, pépère. Hop. Allez, je vais enfiler les gants. Eh ben, il m'a bien tordu le bras celui-là. Oh les amis, magnifique poisson là. Regardez-moi le pépère. Waouh, il m'a fait un combat de malade. Et voilà le bébé les amis. Magnifique silure de la rivière. On a fait un combat terrible là, ça fait plaisir. Poisson qui approche les 2 mètres, je dirais, à vue d'œil. Voilà, je ne mesure pas. Et voilà, des poissons comme ça en stalking, ça fait super plaisir. Ils font vraiment des beaux combats, des très belles touches. D'ailleurs, celui-ci ne m'a pas laissé le temps d'allumer la caméra, je suis désolé. Mais voilà, vous aurez au moins le combat, le poisson et le release de ce poisson là. Voilà, allez, bah écoutez, je le remets à l'eau et puis je continue ma pêche. Allez les amis, allez, c'est reparti pour la remise à l'eau. Allez, pépère. Allez. Encore un beau fish les amis. Voilà, c'est plus joli les amis. C'est plus joli. Je sais pas combien ça fait, mais ouais, c'est beau. Ouais, là un beau poisson les amis. Voilà, vache. Putain,
c'est pas mal. Bon les amis, ben le voici ce beau poisson, un beau silure qui fait plaisir, avec des belles couleurs hivernales. Voilà, donc c'est un poisson que j'ai pris sur un poste que j'avais décidé de refaire, parce que tout à l'heure je n'avais pas eu de résultat, mais je pensais bien que j'allais faire un silure sur cette zone là. Et ben écoutez, j'ai bien fait, avec ce beau poisson là, une belle prise qui fait plaisir. Jolie couleur hivernale. Allez, je vais le remettre à l'eau et puis je continue. Très joli poisson. Yeah. Allez le pépère. Allez. Remets-toi un peu de tes émotions. Allez, il est reparti. Allez les amis, je vais tester par ici. Voir si je peux essayer de dérouler un silure par là. Allez, poisson les amis. Voilà un silure. Et voilà les amis, petit silure. Ça fait plaisir. Voilà, c'est une touche. Donc c'est un poisson. Un poisson d'environ 80 cm, j'irais. Voilà, bon, ça fait plaisir quand même. Allez, je vais le remettre à l'eau. On continue. Plus gros. Et voilà les amis, encore un silure. Voilà encore un silure qui doit faire environ 1 mètre. Enfin un gros poisson, mais c'est pas grave, c'est un silure. Il m'a fait une belle touche. Poisson qui a été pris dans l'obstacle là. Et des belles couleurs hivernales. Super, super silure. Allez, il repart à l'eau. Et puis je continue la traque du gros. À essayer de tomber sur un beau pépère. Ça serait bien. Allez, je vais tester par là. Allez, c'est rependu.
moins gros, mais ça, c'est dur. Oh la vache. On va faire un petit peu un mètre. Ouais. Bon, c'est dur d'un mètre. Voici ce beau poisson, jolie silure hivernale, voilà, capturé après la prise du beau poisson. Là, j'ai décidé de retenter le poste sur le même secteur, et voilà, donc c'est un poste, comment dire, ils m'ont confirmé la présence sur la zone, et j'ai décidé de retenter le coup. Et bien écoutez, j'ai bien fait, puisque voilà, encore un joli poisson dans environ 1m30 là, qui fait plaisir. Super. Je savoure toutes mes prises, même les plus modestes. Allez, je remets à l'eau ce joli poisson. Joli silure d'environ 1m30. Allez pépère, ciao bébé. Ah, boum. Allez, c'est piqué. Oh putain, ça a l'air joli en plus. Oh la vache. Et il prend du fil. Il prend du fil. Voilà. Allez les amis, c'est un beau. Il a mis son temps. Hein. Ah, il donne des bons coups de tête. Hein. Là, je le sentais quand même à ce poste-là. Ça faisait un moment que là, j'avais pas de touche. Je sais pas combien il fait là, mais ça a l'air pas mal. Ah, il est pas content, hein. Il n'est pas content de la pression. Ah bah. Ouais. Ouais, il est pas mal. Ah, il y a un bon fish, tu vois. Bon ben voilà les amis, je vous présente le beau silure qui fait plaisir là. Donc poisson d'hiver, encore une fois, qui m'a fait une touche bien subtile là. Il me fait un très beau combat également, c'était pas gagné d'avance. Et voilà, en persistant sur les bonnes zones, ça finit par payer. Donc ce secteur, jusqu'à maintenant, j'avais pas eu encore de résultats. Et en persévérant, bah, j'ai réussi à déclencher la touche de ce beau poisson. Également de celui d'1m30, là, juste après. Donc ça me confirme bien leur présence sur la zone. Je vais continuer à l'exploiter. Pour l'instant, je vais remettre ce beau poisson à l'eau et je vais continuer à chercher des nouvelles zones productives. Voilà. Donc bah, écoutez, je le remets à l'eau et on continue la pêche. Yes. On va réoxygéner un petit peu le pépère. Il a quand même donné au combat. Allez. Allez le pépère. Allez, ciao bébé.
Bon, c'est pas tout à fait l'endroit où je voulais aller en CM, mais bon, ça me dérange pas. C'est quand même dans le bon secteur. Allez, je teste un nouveau secteur là. On va voir s'il y a un client par ici. Oh la vache! Oh le bœuf! Oh, il y a un steak, les amis. Oh la vache! Il y a un blocos. J'ai un blocos, les amis. Il a mis son temps, mais... Oh la vache! J'ai un parpaing, les amis. Il a du remue-ménage, il a une bonne tête, tu vois, les amis. Locos. Bon les amis, là, on a un sérieux client. Voilà, donc il est sécurisé. Je laisse se reposer un petit peu. C'était une petite galère là parce que pour l'attraper, voilà, j'ai dû aller chercher mes gants là dans mon sac. Tout ça, préparer la bâche. Et, écoutez, je vais le sortir. Je vais vous présenter ce poisson magnifique. Bon les amis, ben écoutez, je crois qu'on a notre big là, avec ce magnifique poisson. Poisson qui passe à bord des 2,20 m. Magnifique. Il est gras comme une loche, il m'a fait un combat de malade. Super poisson pris en stalking là, avec la canne Shadow Scat Spin. Premier big hivernal pour moi, pour ma part. Voilà, je commence à rattaquer tout doucement la saison en stalking. Et voilà, ce magnifique poisson qui tombe. Voilà, des poissons comme ça, j'en fais vraiment pas tous les jours ici. Voilà, super fish. Encore une fois, je suis super content de partager tout ça avec vous. J'espère que la petite vidéo vous plaira, comme d'hab. Hein. Et puis, écoutez, ce poisson-là, je vais le remettre à l'eau. Je continue ma traque et puis... avec de la chance, je vais peut-être réussir à avoir encore un autre beau poisson. Mais après, même si je fais plus petit, ça ne me dérange pas. Magnifique fish. Génial, les amis. Allez, il repart à l'eau. Il est magnifique. Allez, les amis, il est temps de relâcher ce beau poisson. Allez, mon pépère. Fais attention à toi.
moi cette clonque.